Hey, salut, c'est Claire, bienvenue au Far West. Je suis avec Gauthier et Mimi. On va vous parler de café. Je m'appelle Gauthier et là on va parler du café en vrac. Je prends du café en grain que je moue ensuite. C'est tout simplement pour éviter tout ce qui est contenant en plastique ou tout ce qui est capsule également. Je vais acheter du café en vrac dans une petite épicerie qui fait du vrac et j'utilise après une cafetière à piston. Alors le café, je le moue dans la petite boutique bio qui a un moulin à café. Il existe des moulins à café qu'on peut trouver dans le commerce. On peut même acheter plutôt d'occasion d'ailleurs, ce serait bien. Le premier aspect positif, c'est tout simplement qu'il n'y a pas d'emballage. Un autre aspect qui est assez sympathique, c'est l'odeur en fait. On sent vraiment l'odeur du café. C'est vrai que c'est quelque chose de plaisant. Et aussi un autre avantage, c'est que à l'issue du café, il reste plus que du marc de café. Et ce marc de café, on peut s'en servir pour pas mal de choses. On peut s'en servir dans la partie cosmétique, on peut s'en servir pour nettoyer des plats un peu incrustés ou autres. Et on peut également s'en servir simplement pour le compost. Et l'aspect négatif, c'est que ça prend un petit peu plus de temps à faire que de simplement mettre la capsule dans la machine et d'appuyer sur le bouton et d'avoir le café. Concernant le prix, ça peut être plus cher que ce qu'on va trouver dans le commerce en bio et équitable sur le café déjà moulu. Par contre, pour toutes les personnes qui prennent des dosettes ou autres, là le prix, il est à 30, 40, 50 euros le kilo le café. Le café en grain que je prends, il est à 22 euros le kilo. C'est aussi du café de très bonne qualité. Ça pourrait coûter moins cher en passant sans doute directement par un torréfacteur. Je ne reviendrai pas au café du commerce classique, tout simplement parce que je suis dans une démarche zéro déchet et le café dans le commerce, il y a forcément des déchets. Alors, un geste que j'aimerais mettre en place, c'est au niveau du travail. Je suis encore avec du café instantané et donc du coup, je pourrais me retrouver une cafetière à piston d'occasion et du coup amener mon café moulu directement au travail. Tchin ! Oh bah oui, t'es en plein soleil, hein ? A priori. Tu es ébloui par... C'est ma... C'est oui, moi, sans doute, c'est ce que tu dégages. C'est ma luminosité. C'est ça.